Julie Gayet et François Hollande se sont dit oui pour la vie le 4 juin. Une union discrète au sein de la mairie de Tulle, en Corrèze. Qui était présent pour les noces de la comédienne et de l'ancien président de la République. Le magazine Paris Match paru jeudi 16 juin révèle si oui ou non les enfants de Julie Gayet ont pris part aux festivités. Et comme le clan de François Hollande, ni Tadeo ni Ezekiel n'étaient présents. Ces garçons âgés de 22 et 23 ans sont le fruit de son amour pour le cinéaste Santiago Amigorena. Le fils de François Hollande, Thomas, n'était pas aux côtés de son père pour son mariage, comme il l'a confié à nos confrères de Paris Match, « Je n'étais pas présent, ni mon épouse, ni aucun de mes frères et sœurs. » La cérémonie s'est tenue en tout petit comité, explique-t-il. Les invités triés sur le volet par Julie et François, si peu de personnes étaient présentes au mariage, les habitants de Tulle n'étaient pas non plus au courant que François Hollande se mariait, c'est en voyant la photo que j'ai su. Julie Gayet vient souvent au magasin. Elle est très gentille. Elle était venue le samedi d'avant en me disant qu'elle avait besoin de fleurs afin de décorer sa table pour son anniversaire, a expliqué une fleuriste à nos confrères du Monde. L'ancien président de la République avait invité Jean-Pierre Jouyet, ancien secrétaire général de l'Élysée mais aussi Jean-Louis Audrenne, qui est un ami du lycée.